Baptême éléphantesque pour Damien Seguin et son classe 40 engagé sur la prochaine Transat Jacques Vabre. Parrainé par Philippe Croison, sportif amputé des quatre membres et connu pour avoir traversé la Manche à la nage, Damien poursuit sa démarche anti-solidaire. Philippe, je le connaissais parce qu'il a fait des aventures extraordinaires. C'est quelque chose qui m'a parlé parce qu'il y a mis son cœur, il y a mis tout son engagement. C'était quelque chose d'extraordinaire qu'il a réalisé. Il avait un objectif et il est allé jusqu'au bout. Moi, tu ne ticherais pas avec tes pensées, ce serait pas plus petit normalement, toi. Je l'adore que je veux. On aime bien plaisanter toujours sur nous-mêmes, sur notre handicap. On a la même vision de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on a envie de faire, du challenge, du rêve, etc. Donc là-dessus, on s'est complètement retrouvés. Et quand il a fallu penser à un par un, j'ai tout de suite pensé à Philippe. Et je suis super content qu'il ait répondu positivement et qu'il soit là aujourd'hui avec moi. On a le même objectif, c'est du partage. Du partage, du partage, du partage. Quand ce garçon-là, il va partir avec son bateau, il en a la tête qu'il y a une équipe derrière lui. Ils sont deux sur le bateau, mais derrière, il y a une centaine de personnes. Comme on dit tout à l'heure, on peut avoir le doute dans la vie, mais renoncer jamais, tu vas au bout. Et tu essaies de donner le meilleur de toi-même pour essayer de gagner la course. Donc, on y croit. Hein. Moi, j'y crois. Toi aussi. Solidaire avec la démarche de Damien Seguin, le département accompagnera le skipper pour les quatre prochaines années. En fait, il naît avec un handicap, mais il ne le subit pas et il en fait une force. Et pour nous, c'est un message absolument formidable pour les enfants. On relativise un petit peu leurs petits problèmes. Et avoir un ambassadeur comme ça au niveau des enfants et au niveau des associations et du mouvement sportif, c'est quelque chose de formidable